Bonjour et bienvenue à tous. Je vous ai promis un exercice hypnotique, une petite expérience hypnotique concernant le poids. Alors, ce n'est pas concernant vraiment le poids, mais c'est concernant comment notre corps va réagir par rapport à une sensation de faim et par rapport à une sensation de trop-plein. Donc, je vais vous demander simplement de vous installer confortablement, assis ou assise, dans un fauteuil, sur une chaise, peu importe, mais assis ou assise très confortablement. Et sans fermer les yeux, tout en les laissant simplement ouverts, je vais vous demander de rappeler à vous un souvenir où vous sortez de table et vous avez trop mangé. Mais vraiment trop mangé, vous sortez du repas de famille de Noël, vous êtes plein à craquer, vous ne pouvez plus rien mettre dans votre estomac et sentir là maintenant ce ressenti que vous avez à ce moment-là où vous sortez de table et vous avez trop mangé. Comment ça fait à l'intérieur de votre estomac quand vous avez trop mangé, comment ça fait même à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous ressentez et comment vous le ressentez. Cette suralimentation, cet estomac trop rempli, cet estomac qui peut même contenir jusqu'à 3 litres de nourriture, alors que vide, il est tout petit, peut contenir simplement 500 millilitres. Et même amplifier cette sensation que vous pouvez avoir quand vous sortez de table et que vous avez trop mangé. Peut-être même ressentir un peu que vous êtes lourd, simplement en écoutant le son de ma voix et en étant pleinement dans cette expérience que vous avez, dans ce souvenir que vous avez lorsque vous sortez de table et que vous avez vraiment trop mangé. Ce poids sur l'estomac, cette lourdeur finalement. Sentir ce que ça fait à l'intérieur de vous. Dans quel état ça vous met? Dans quel état émotionnel même vous pouvez vous trouver? Pensez à sentir cette lourdeur dans votre estomac qui se pose là maintenant. Certains peuvent garder les yeux ouverts, je disais tout à l'heure, mais certains peuvent aussi les fermer. Si cela est plus facile, de ressentir ce que cela fait finalement, de sortir de table et d'avoir trop mangé, de se replonger dans ce souvenir. Vous vous êtes gavé, ou vous sortez de table, ou c'est vraiment lourd, ou vous dites jamais j'aurais dû manger tout ça. Et ressentir même cette émotion que vous avez qui monte là maintenant à l'intérieur de vous, qui se pose, lourde, épaisse. Et puis pour ceux qui ont fermé les yeux, réouvrez les yeux, ou les gardez fermés, peu importe. Vous raccrochez à un deuxième souvenir, celui que vous avez quand votre estomac est complètement vide et que vous avez vraiment faim. Sentir ce que cela fait d'avoir ce creux dans l'estomac, cette faim qui vous tiraille maintenant, qui se pose, qui se creuse de plus en plus, de mieux en mieux, au fur et à mesure que vous vous rattachez à ce souvenir où vous avez vraiment faim. Certains peuvent avoir l'estomac qui commence à gargouiller même si vous avez mangé il y a peu de temps. Et puis même amplifier ce phénomène en vous rappelant de ce que vraiment cela fait quand vous avez une faim, mais vraiment une grosse faim. Que ça fait un certain nombre d'heures que vous n'avez rien mangé dans votre estomac et dans votre corps. Comme cela vous paraît creux à l'intérieur de vous et même léger. Et puis revenir à cette sensation un peu particulière de votre estomac quand il est plein. Quand il est plein à craquer, quand il est plein, qu'il a 3 litres, quand il est plein et qu'il est rempli. Et le comparer maintenant avec cette sensation que vous avez quand vous avez le ventre vide, complètement vide, comme un creux. Et revenir à vous. Revenir à vous maintenant, rouvrir les yeux pour ceux qui les avaient fermés et puis reprendre simplement conscience de votre corps, vous étirer. Étirez vos bras, étirez vos jambes, revenir dans tout votre corps, quitter votre estomac. Et puis me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti finalement. Est-ce que vous avez vraiment ressenti cette différence entre ces deux états, celui que vous avez quand vous avez trop mangé et celui que vous avez lorsque vous avez très faim. Et bien c'est un peu ça pour ceux qui ont ressenti vraiment cette sollicitude du corps. Alors que vous sortez de table et que vous avez peut-être déjà mangé, vous avez pu sentir ce creux dans l'estomac ou alors peut-être que vous avez très faim mais vous avez pu ressentir ce que ça fait quand votre estomac est plein alors que vous n'avez pas mangé. Voilà pour cette petite expérience que je vous proposais juste sur cette approche de comment ça marche l'hypnose finalement et le poids, l'hypnose et notre corps.
Je vous dis à très vite, j'attends vos commentaires, laissez vos impressions, j'aime bien toujours ce genre d'échange qu'il peut y avoir entre vous et moi. Et si vous avez besoin d'un accompagnement concernant le poids, vous pouvez toujours prendre rendez-vous. Je suis à Décines-Charpieux dans la banlieue de Lyon, facilement accessible de Lyon-Centre, d'ailleurs par le tramway. Vous pouvez me joindre à ce numéro ou alors prendre directement rendez-vous sur ce site. Je vous dis à très vite pour une autre expérience hypnotique.